aussi. Donc, c'est là, je viens de réaliser que je fais des weekly vlogs, mais on est rendu jeudi, puis j'ai rien vlogué de la semaine, fait que... ouais, ça commence mal. Comme vous voyez, c'est un peu le bordel parce que je viens juste de filmer. J'ai filmé ma vidéo pour demain qui va être mes favoris de l'année 2015. Je vous mettrai le tout. Oh my god, c'est comme un vrai labyrinthe. Je vous mettrai le lien en bas d'informations. Puis sinon, j'ai aussi pris des photos pour Instagram. Voici donc un sneak peek de mon outfit. Puis je sais pas encore là, si elle va déjà être en ligne cette photo-là. Mais si vous me suivez pas sur Instagram, allez-y gang, c'est gratuit. Ça, sinon, je prends ça bien relax parce que tout le monde a recommencé l'école. Puis ça va faire depuis toujours que j'ai pas eu de mois de congé genre d'école. Fait que ça, comme là, je vous l'avais dit, je recommence pas avant septembre. Fait que j'ai comme un beau 8 mois de congé à relaxer, prendre du temps pour moi, me consacrer sur YouTube et tout. Fait que c'est ça, là, j'ai pris plusieurs photos, comme je vous l'ai dit, j'ai filmé ma vidéo. Faut que j'aille l'éditer. Oups, c'est vraiment lourd cette caméra-là. Faut que j'aille l'éditer parce qu'elle va être en ligne demain. Puis demain, j'ai pas le temps de rien faire parce que je m'avais magasiné de l'ouverture des magasins à la fin d'après-midi avec ma mom. Parce qu'on va dépenser nos cartes cadeaux qu'on a eu pour Noël. Puis sinon, après ça, je travaille de 4h à 10h. Fait que j'aurai vraiment pas le temps. Pour vrai, je vais vraiment bien. Ça fait vraiment du bien avoir du temps pour moi en vacances. Parce que là, je me suis vraiment repris en main, si on veut. J'ai commencé à super bien manger, je cuisine, je m'entraîne. Puis je m'entraîne vraiment comme tous les matins. Je suis vraiment fière de moi, sincèrement. Pour plein la journée, sincèrement, c'est vraiment juste de comme ranger ma chambre parce qu'elle était toute propre avant de commencer. J'avais fait le ménage hier. Puis faire du montage. Sinon, mes parents sont partis dans des commissions. Il devrait revenir bientôt, je pense, là, mais moi, je commence vraiment à avoir faim. Pour vrai, je sais même pas il est quelle heure. Oh my god, il est 2h, ça m'a tellement pris du temps de filmer. Voilà, voilà ce que ça donne. Fait que c'est vraiment simple. Fait que en gros, il y a des épinards dans le fond. J'ai mes concombres, avocat, tomate, pois chiche, du thon, du fromage fait par-dessus, puis jus de lime, huile et vinaigre balsamique. Puis ça donne ça, c'est vraiment bon, ça remplit beaucoup. À cause des pois chiches, puis des avocats, puis du thon. Puis ouais, c'est ça. On est chez Alexis, puis c'est vraiment drôle parce que on mangeait en bas, ben il mangeait avec ses parents en bas, puis on a commencé à parler de comme plein de trucs. Je sais pas comment on en est arrivé là, là. Mais après ça, son beau-père, il a commencé à raconter son truc avec son hernie. Ça, c'est comme des déchirures musculaires. Alexis, il est vraiment comme intolérant quand on parle des trucs de maladie puis tout ça, parce qu'après ça, il commence à avoir mal partout. Il est avec moi. Pis je peux même pas y toucher à la cuisse parce qu'il dit que... il dit qu'il sait maintenant c'est quoi la douleur d'un hernie. Fait que là, je peux juste pas y toucher parce que genre, il dit qu'il y a masse, il touche à son bras, il dit que c'est comme un cathéter. Tu me racontais qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ton rêve? Alexis, ben c'est plus un cauchemar là. Cauchemar. ben, je vais vous laisser... je vais le laisser le raconter, mais en gros il m'a juste texté puis il était genre... En tout cas, ben je vais te laisser l'expliquer là. J'étais dans une forêt genre, puis il y avait comme des sentiers partout. Ça okay? C'est son rêve, ok? C'est pas la vraie vie. Ok, puis c'était comme une version genre modifiée de Twilight, genre il y avait des vampires puis des loups-garous. Moi j'étais un loup-garou. Moi je pars en courant dans le bois parce qu'il y avait des vampires qui nous chassaient. Puis les vampires ils avaient mis un système de genre sensor là. Dans les bois, fait qu'ils pouvaient savoir quand est-ce qu'on passait, puis ils pouvaient savoir si on était proche, là, fait qu'ils nous suivaient. Là, les sensors, le son, là, je me suis rendu compte que c'était comme un. Une neigeuse? Non, une voiture dehors qui. Ok. Le système d'alarme était parti. Okay. Fait que j'entendais bip bip dehors, puis ça sonnait dans mon rêve comme les sensors. Quand je fais juste me pitcher sur le côté, puis je fais le mort à terre, comme. Puis je pense qu'ils vont genre continuer, puis pas m'attraper, puis pas me battre. Fait que là, ça va, je fais le mort puis je bouge plus. Là, je pense que je m'endors dans mon rêve. À un moment donné, je me réveille puis il y a du monde qui tire après mes bras, genre, comme pour me traîner. Moi, je faisais semblant d'être mort plus, je pense qu'ils pensaient que j'étais mort. Fait que là, à un moment donné, je suis comme bon, mais dès qu'il y en a un qui va s'approcher proche en arrière de moi, je vais lui donner un coup de poing, comme. Sauf que. Ouais, finalement, j'ai fini par lui donner un coup de poing. C'est là que je me suis réveillé parce que le coup de poing que j'ai donné dans mon rêve, finalement, je l'ai aussi donné en vraie vie. Je faisais dodo comme ça, là. Là, juste out of nowhere, dans la nuit, j'ai donné un coup de poing comme ça. Ok, mais je sais pas trop. Ouais, vous pouvez voir le petit spot blanc, là.
Puis Alexis, tu veux montrer ta peinture? Ouais. Et voilà, à part que ça focus pas. Puis après ça, je me suis réveillée, puis... T'avais mal. J'avais mal. On est vendredi, je viens juste de revenir du centre commercial avec ma maman. On a Marielle qui veut juste se faire flatter, comme pour faire changement. Fait que, hein? Toujours dans des positions bizarres, cette madame-là. Marielle! Oh, tu remontes fort en plus! T'es une cutie! T'es une cutie! Je vais vous montrer mes sacs seulement de mon ravage au centre commercial parce que je vais bien évidemment vous faire un haul parce que j'ai acheté beaucoup de choses, sérieusement. Puis ça fait comme une éternité que j'ai pas fait un haul de vêtements. Fait que je vais comme tout prendre des photos, me rappeler des prix, etc. Regarder mes factures. Fait que vous allez tout pouvoir savoir ça. C'est comme... la B, Chapters, Aries, un immense sac de Zara pour faire changement. Puis un immense sac pour faire changement du H&M avec Madame Arielle qui veut juste se faire flatter. C'est vraiment comme, ça fait vraiment moi là, c'est vraiment mon style, vous allez voir là. Il y a quasiment pas de couleur, c'est juste du noir, du blanc, du gris. Puis c'est comme un peu chic, casual, mais comme edgy un petit peu en même temps. Fait que je vais prendre plein de photos sur Instagram aussi. Bonjour YouTube! On est le 9 janvier. C'est la fête à François hier. Avant hier. La fête à François hier. Arrête, je recommence. On est le 9 janvier, samedi. Il faut que j'aille me préparer pour la soirée. Jeff, elle annule son plan du cinéma parce qu'elle joue au bout. Ouais, ben on joue à. C'est quoi? Perplex. C'est quoi? Perplexus. Perplexus. C'est vraiment stressant. C'est un jeu pour les enfants débutants et plus. Je suis pas capable de faire. En gros, t'as une petite baie, puis c'est comme un genre de labyrinthe, mais en 3D, je peux te dire seulement. Parce qu'il faut que tu tournes de bord. Puis, mais c'est tough parce que des fois, il n'y a pas de mur, puis mais là, si tu tombes, t'es morte. Ben, mais toi, t'es morte. En gros, là, c'est pareil comme le jeu que c'est la petite caisse de bois avec les deux petites roulettes qu'on tournait pour ceux qui ont plus que 30 ans. C'est bien la leçon du jour, les amis. Quand c'est essentiel, c'est important. C'est essentiel. Coucou. C'est pour ça que ça s'appelle Perplexus. Je crois qu'elle a réussi. Ben nous, ça dure 2 heures, notre film. Ça commence à 8h30. Très concentré. 8h30 par Faut qu'on aille au cinéma avec ta mère! Jessica triche! Jessica triche! Jessica veut casser la boule! Jessica est tannée de ses boules! Ça sent bien intense! C'est du super extrême, le personnage! Mais quand le vous allez muscler les bras! Faut des pipes! Bon, il faut qu'on aille se préparer! On sort ce soir! Adieu! À demain! À demain, les trucs, non.